Bonjour Laurent Godet, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ici en Haïti et merci de participer à Livre Ouvert. Vous êtes écrivain, mais nous allons vous inviter à partager avec nous votre expérience de lecteur. D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à lire un livre? Est-ce que c'est son titre, le nom de l'auteur, sa renommée ou juste l'envie de découvrir? Et bonjour, ce qui est assez magique je trouve avec la lecture, c'est que ça peut être un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé évidemment de lire un livre parce que je connaissais l'auteur, que j'en avais déjà lu certains, ou parce que des amis me l'avaient recommandé, parce qu'on est attiré par un titre, effectivement. C'est vrai que je pense par exemple à 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Je crois que le titre est tellement beau, tellement puissant, tellement énigmatique en même temps, parce que pourquoi 100 ans de solitude, qu'il a certainement fait pour beaucoup dans le désir des gens de s'approcher de ce livre, qui par ailleurs est un très grand livre. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a une chose qui me semble très importante aussi et qu'il faut mentionner, et dans mon cas ça joue beaucoup, c'est les conseils de libraire. Ça m'arrive quand même souvent d'acheter un livre sur le conseil d'un libraire, de mon libraire. Et c'est vrai que c'est un vrai métier de savoir conseiller le bon livre à la bonne personne, d'imaginer ce que les clients vont aimer. Et je sais qu'aujourd'hui, à Port-au-Prince, il y a une nouvelle salle qui s'ouvre, la librairie, la Pléiade ouvre une librairie à Bois-Patate. Et c'est important aussi que la ville ait des espaces de librairie, parce que c'est des espaces de conseil qui amènent les gens à peut-être découvrir des livres vers lesquels ils n'auront pas été. Vous lisez quand même un livre en ce moment. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre dernière lecture? Alors, j'ai mis dans ma valise des livres d'auteurs haïtiens. Donc, j'ai une petite bibliographie haïtienne et j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, en fait. Donc, en ce moment, je suis en train de lire deux livres. L'énigme du retour de Daniela Ferrière, que je n'avais pas encore lu, et le premier roman de Guy Régis Junior, qui s'appelle Le Trophée des Capitaux. Alors, je viens juste de commencer, mais j'adore faire ça, c'est-à-dire arriver dans un pays et le découvrir aussi par sa littérature. Je trouve que c'est d'une énorme richesse, c'est-à-dire que les auteurs nous font rentrer dans une culture, dans un lieu, la ville de Port-au-Prince, Haïti, et c'est une manière, en fait, d'aller, pour le voyageur que je suis, d'aller presque plus vite. C'est-à-dire que non seulement je me promène dans les rues, mais grâce aux auteurs, grâce à la littérature, j'apprends des choses. Et c'est votre première fois en Haïti? Non, c'est la deuxième fois. J'étais venu l'année dernière à la même époque déjà une fois. Est-ce qu'il y a un livre que vous pouvez nous citer comme celui qui vous a le plus marqué? C'est une question horrible. C'est une question horrible. Pour une seule et bonne raison, c'est que justement la littérature, ce qui est merveilleux, c'est que c'est infini. Il y a plus d'auteurs et plus de livres que chacun d'entre nous n'aura le temps d'en lire dans sa vie. Et donc, c'est justement une question de choix et de profusion. Et c'est ce que j'aime avec la lecture. C'est qu'il y en a trop, il y en a plein, il y en a beaucoup. Rien n'est fermé, rien n'est interdit. On peut lire les auteurs qu'on veut. Il y a juste la question financière qui est importante, hein, mais parce que le livre a un prix. Mais sinon, les textes sont là à disposition. Donc, en choisir un, c'est vraiment un calvaire. Ça change selon les temps, les journées, mais là aujourd'hui, puisque je suis à Port-au-Prince et que ça a des résonances, je dirais Cahier du retour au pays natal d'Aimé Césaire. C'est tellement magnifique. Et dans le répertoire français, quel auteur vous pourriez conseiller? Je conseillerais un auteur de théâtre contemporain qui est décédé il y a maintenant une vingtaine d'années, qui s'appelle Bernard-Marie Coltès. C'est un auteur qui a été très important pour moi. Quand je l'ai lu, ça m'a donné envie d'écrire pour le théâtre encore plus. Et dans son œuvre à lui, je recommande la lecture de Dans la solitude des champs de coton. D'accord. Mais d'après vous, Laurent Godet, comment peut-on inciter les jeunes ou le public en général à lire davantage? Il y a plusieurs points. Le premier blocage peut être un blocage de curiosité. Et ça, je crois que les écoles, les professeurs ont un rôle à jouer fondamental, qui est de pousser à la découverte, de montrer que la curiosité, on y gagne quelque chose, on apprend des choses. À faire de manière le moins scolaire possible. C'est-à-dire que je pense que si la littérature n'est pas un espace de liberté de pensée, si c'est quelque chose d'imposé, qu'on fait parce que le professeur a dit, ça marchera moins. Il faut que les jeunes s'en emparent avec plaisir. Le plaisir est fondamental. Donc, lire ce qu'ils veulent, aller au bout. Le deuxième blocage qui existe, et particulièrement ici en Haïti, j'imagine, c'est le blocage économique. Et donc,
Ça, c'est vraiment triste. Il ne faut pas que les livres finissent par devenir comme ça une espèce de citadelle interdite aux gens les plus démunis économiquement. Donc, essayer de se battre pour que le prix du livre baisse, c'est un combat qui me semble important. En même temps, bon, il y a des auteurs, et j'en suis un, et on a besoin d'être payé pour notre travail. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est peut-être pas uniquement le prix du livre, d'ailleurs. C'est aller aussi faire une démarche d'aller vers les gens qui peut-être s'interdisent eux-mêmes la lecture parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Voilà. Et pour vos ouvrages, j'imagine que vous avez fait beaucoup de recherches. Par exemple, un livre comme La mort du roi de Songo que j'ai lu. Mais le travail de recherche qu'il y a derrière tout ça, comment est-ce que vous l'avez vécu? Je travaille toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire je n'essaie jamais d'être exhaustif, de devenir le spécialiste du sujet. Alors, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Eldorado et qui parle de l'émigration. J'ai pas essayé de lire tout ce qui s'était écrit d'un point de vue historique ou sociologique sur l'émigration. J'essaye de me documenter suffisamment pour ne pas dire de bêtises dans le livre, et aussi surtout, et c'est presque plus important, pour trouver des petites pépites qui vont susciter l'écriture, qui vont m'inspirer. Donc, pour répondre plus concrètement à votre question, je cherche souvent des photos. Je travaille beaucoup à partir de photos. Donc, par exemple, pour La mort du roi de Songor que vous citiez tout à l'heure, j'ai beaucoup cherché des photos de cérémonies africaines, de costumes africains, des armes, les bijoux. Et j'avais fait des photocopies comme ça, j'avais couvert mon bureau de toutes ces photos-là, et pour chaque personnage, je décidais un peu quel visage il avait, comment il était habillé, les peintures de guerre, les cérémonies, etc. Même quand le sujet est plus contemporain, j'ai besoin de chercher des photos, en fait. Moins les films, moins les documentaires, parce que dans un film ou un documentaire, il y a déjà la parole du réalisateur, et cette parole-là m'empêche de développer mon propre imaginaire. Donc la photo, c'est formidable parce que c'est muet et que je peux y projeter ce que moi j'ai envie d'y projeter. Merci beaucoup, Laurent Godet. Je vous en prie, merci à vous.